Eh bien, salut à tous les amis, c'est Gégère, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo compte-rendu vide-grenier et j'ai trouvé de très très belles choses. Franchement, je suis hyper content, il y a pas mal de trucs. Donc il y a un lot, bah, logiquement, vous avez dû le voir dans le titre ou dans la miniature. J'ai trouvé une console en boîte, donc vous savez déjà ce que c'est, mais bon, on va voir ça à la fin. Donc on va commencer par aller un petit jeu de PS1. Qui est le Gran Turismo 2, regardez, en grosse boîte, je l'avais pas celui-ci, j'avais le Gran Turismo 2 en normal, mais en grosse boîte, comme ça je l'avais pas, donc du coup, je l'ai pris, donc c'est marqué inclus un CD bonus contenant le permis B, enfin bref, donc hop, il est complet en plus, donc voilà, cette version-là, Gran Turismo 2, elle est pas très commune, je trouve, on voit plus souvent la version de base plutôt que cette version-là, donc du coup, voici ce premier achat. Que j'ai payé seulement 2 euros, donc franchement 2 euros en grosse boîte, parfait, je suis hyper content. En plus, elle est en très très bon état, il n'y a même pas de rayures sur la boîte, elle est nickel. Donc franchement, je suis hyper content. Prochain petit lot, c'était un petit lot PS2. Donc on va commencer par un lot avec deux jeux et un petit accessoire. Donc l'accessoire, c'est une petite caméra Hi-Toy. Donc moi, je suis hyper content de l'avoir retrouvée. Puisque bah du coup c'est vraiment un accessoire que j'avais dans mon adolescence quand j'étais à mon époque PS2. J'avais cette caméra Hi-Toy. J'en avais déjà une dans ma collection mais j'avais pas celle-là. Moi j'avais la première version de la Hi-Toy. Donc c'était celle-ci la première version. Et moi j'ai chopé la version Slim on va dire. Donc je suis content. Donc dans ce petit lot il y avait un petit jeu. Bah j'ai pris deux jeux. Bon c'est pas ouf. Donc c'est Hi-Toy Play Sport. Donc voilà, pour tester avec la Hi-Toy. Et un autre jeu, mais un jeu normal qui n'est pas Hi-Toy, c'est Worms 3D. Voilà. Donc Worms, c'est vraiment des jeux que j'adore, c'est hyper drôle. À l'époque, moi, c'est pas forcément celui-là que je jouais. Je jouais à Worms Mayhem, si je me trompe pas, ça doit être ça. Mais quand j'ai vu ça, je dis bon, bah, j'ai pris les deux. Alors, le Worms, il a pas de notice. Et le. Comment Hi-Toy Play, il est complet. Donc voilà. Donc ça, ouais, je l'ai pris un peu pour essayer le Hi-Toy, parce que moi, je voudrais retrouver le Hi-Toy que je jouais quand j'étais plus jeune. C'était le Hi-Toy Play, le premier, en fin de compte. Donc, du coup, bah voilà. Alors ce petit lot que j'ai eu à seulement 5 euros, franchement, c'est hyper cool. Le petit Hi-Toy avec les deux jeux pour 5 euros, c'est super. Donc voilà. Alors maintenant, un petit lot, on va dire, un lot GameCube, on va dire. Bon, il y a une manette et un jeu, c'est pas non plus un lot avec la console ni rien. Donc, le petit jeu, il est pas dans un bon état, hop. C'est le Sonic Heroes en version choix des joueurs. Donc, la boîte est dégueulasse, regardez, il y a la jaquette qui se barre. Faudrait que je retrouve une boîte de rechange de GameCube. Et par contre, à l'intérieur, il est complet. Donc, ça, par contre, c'est pas mal. J'ai pas forcément regardé l'état du CD. Ouais, ça passe, on va dire. De toute façon, les jeux GameCube, c'est pas non plus les plus durs à faire tourner. Donc le petit Sonic Heroes, c'est pas mal. Surtout que moi, la GameCube, j'en rentre jamais. Et il y avait une petite manette avec. Donc voilà, une manette qui est franchement dans le très très bon état. Les joysticks sont pas du tout abîmés. Franchement, c'est hyper cool. Parce que moi, je ne suis pas très riche en manette GameCube. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris. Et j'ai eu ce petit lot à seulement 5 euros. Pareil, 5 euros la manette et le jeu. Franchement, c'est hyper cool. Donc voilà. Donc il faut juste que je retrouve une boîte de rechange pour le Sonic. Voilà. Maintenant, une autre petite manette 360 chopée à seulement 2 euros. Franchement, j'étais super content. Mais par contre, elle est dégueulasse. Hein. Je sais pas si vraiment vous la regardez. Elle est dégueulasse. Derrière, c'est pas une batterie, c'est un cache-pile. Le cache-pile, il est pété. Mais ça, franchement, c'est rien. Un cache-pile, ça se trouve. Ou alors, je mets une batterie, ça va plus vite. Donc, franchement, 2 euros la manette. J'ai pas hésité, je l'ai pris. Les joysticks sont en bon état, ils sont pas percés ni rien. Donc va falloir que je la nettoie et que je la teste. Voilà. Maintenant, première console, parce que oui, il y a deux consoles trouvées dans ces deux vide-greniers, parce que j'en ai fait deux, je sais pas si je vous l'ai dit. Une petite PSP avec un jeu, ça c'est cool, franchement. Une PSP, ça faisait longtemps que j'en cherchais une autre, parce que j'en ai déjà une, mais j'en voulais une d'une autre couleur. Et c'est chose faite puisque j'ai trouvé une PSP blanche, franchement, et je la trouve trop classe. Donc pareil, elle est vraiment assez dégueulasse. Derrière, regardez, il y a une grosse trace jaune, donc ça, il va falloir que je nettoie ça, c'est pas un problème.
Mais ça, ce modèle-là, je ne l'avais jamais vu, puisque d'ailleurs, elle est beaucoup plus épaisse que la PSP que j'ai. La carte mémoire, elle est sur le dessus, donc ça, je ne connaissais pas ce modèle-là de la PSP. Et le clapet derrière, regardez, c'est toute la console qui s'ouvre, puisque moi, j'ai la PSP avec seulement le carré derrière qui s'ouvre, alors que là, c'est quasiment toute la coque derrière qui s'ouvre. Voilà. Donc bah pour l'instant elle est déchargée, donc elle s'allume pas. Donc va falloir que je la teste. Et le petit jeu, bah, c'est un jeu bah, qui était compris dans l'eau, donc j'ai pris, mais je sais pas si je vais le garder. C'est le petit Cars 2, voilà, sur la PSP, en version essentielle. Donc voilà, pourquoi pas. Va falloir que je teste. Et il y avait également le chargeur. Donc par contre, le chargeur, ce qui est bien, c'est qu'il y a juste un petit boîtier comme ça, et il n'y a rien d'autre. Puisque moi, le chargeur de ma PSP, il y avait un gros boîtier, c'était chiant, c'était vachement plus encombrant. Alors que là, c'est juste un petit chargeur de base. Donc voilà. Alors, ce petit lot PSP, je l'ai acheté à seulement 20 euros. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un bon prix, la petite PSP, à 20 balles avec le petit jeu. Mais franchement, j'ai pas hésité, j'ai pas négocié, j'ai pris. Donc voilà. Maintenant, un lot de jeux 360. Qui était seulement à 1 euro. 1 euro les jeux 360, c'est ouf. Donc du coup, bah, j'en ai pris 3 que j'avais pas évidemment dans la collection. Donc un petit Virtua Tennis 4. Franchement, ça c'est super bien les jeux de tennis. Ça manque un peu sur les nouvelles consoles, même s'il y en a des nouveaux qui sont sortis là, mais apparemment ils sont pas terribles. Mais sur les générations d'avant, PS3 360, il y avait des bons petits jeux de tennis. Donc voici ce premier jeu. Le deuxième, un jeu Ubisoft qui est Prince of Persia, les sables oubliés. Voilà. Je n'ai jamais joué à Prince of Persia, mais je suis sûr que je vais adorer puisque moi je suis un énorme fan des Assassin's Creed. Donc, est-ce que c'est à peu près le même style? Peut-être. Parce que, à la base, pour ceux qui ne savaient pas, Assassin's Creed devait être un Prince of Persia assassin. Et du coup, ils ont fait un jeu à part entière, le Assassin's Creed. Donc, voilà, il va falloir que je teste le Prince of Persia. Et le troisième jeu, qui est peut-être le meilleur de ce lot, c'est le Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Bon, enfin bref, le Banjo-Kazooie, voilà. Et franchement, 1 € les jeux de 360, c'est génial. En plus, ils sont tous complets, le Prince of Persia, le Virtua Tennis et le Banjo-Kazooie. Voilà, ils sont tous complets, parfaits. Hop, on referme tout ça. 3 € 3 jeux, c'est génial. Voilà. Maintenant, un jeu et accessoire pour la PS2. Donc, je vais vous montrer ça, hop, direct. Voilà, le petit Guitar Hero 2 sur la PS2. Donc, je suis hyper content d'avoir trouvé. C'est un truc que je recherchais. Donc, du coup, bah, c'est génial. Attends, il va falloir que je trouve le 1. Alors, il est complet. Donc, c'est parfait. Voilà. La guitare est dans un état moyen, on va dire. L'autocollant s'enlève, mais ça c'est rien. Elle est assez poussiéreuse, mais ça c'est rien, ça se nettoie. Voilà. Donc pour la PS2, je suis content. Et parce que c'est un accessoire de la PS2 qu'on voit pas beaucoup, je trouve. Donc voilà. Donc au début, moi je pensais que ça se branchait par USB, mais non, regardez, c'est un port manette. Donc je vais sûrement y jouer dès ce matin, là, parce que j'ai vraiment envie de le tester sur la PS2. Donc j'ai eu ce petit lot à seulement 5 euros. C'est très correct, hein. La guitare et le jeu pour 5 euros, j'ai été super content. Voilà. Maintenant, on va dire, bah, c'est pas un jeu vidéo, mais c'est une télé. Voilà, je vous le dis directement. J'ai acheté un petit écran plat, ça va être pour mettre dans ma chambre qui est juste derrière ma salle de jeu. Il me manquait une petite télé, donc du coup, c'est fait. Hop, j'en ai trouvé une. Bon, pour l'instant, je n'ai pas testé, je ne sais pas encore si elle fonctionne. Je vais tester ça bah, direct après. C'était un papy qui vendait ça, il en proposait 30 euros, et moi j'ai fait style, oh bah non, désolé, il me reste que 20 euros. Et puis du coup, bah, il a accepté, donc hop, il a zappé avec. Donc du coup, il a accepté 20 euros le petit écran plat, c'est super. Donc du coup, je vais mettre ça derrière, peut-être avec une petite console. Voilà. Et maintenant, on passe au dernier lot, alors le plus beau lot, hein, vous l'avez vu sûrement dans le titre ou la miniature, c'est une NES en boîte. Magnifique! Choper ça en vide-grenier, franchement, c'est génial. Là, au moins, ça vaut le coup de se lever de bonne heure. Donc, du coup, elle est dans un état plutôt bien. La boîte a été rafistolée avec du scotch. Voilà.
Donc elle n'est pas dans un très très bon état, mais franchement ça passe. J'adore regarder ça, regarder la gueule des gamins, quoi. Surtout les fringues qu'ils portaient à l'époque, moi je trouve ça génial. Je l'avais pas la NES dans ma collection, je suis hyper content de la rentrer en boîte, parce que du coup j'en avais déjà une avant dans mon ancien appartement, mais comme un con je l'avais revendue et je l'avais regretté. Mais maintenant je la rentre à nouveau en boîte en plus, donc c'est génial. Il y avait 5 jeux avec et un accessoire. Donc l'accessoire, je vous le présente direct. Le zapper. Franchement, mortel de choper ça. À l'époque, je ne l'avais jamais eu, moi, quand j'avais eu ma première NES. Je n'avais pas le zapper, donc maintenant je le rentre. Franchement, c'est génial. Je suis trop content. Donc il y avait 5 jeux avec en plus, donc c'est cool. Donc, il y a quelques jeux que je connais pas et les autres que je connais. Donc celui-ci, Blades of Steel, je ne connais pas. Donc c'est du hockey sur glace, voilà. Donc il va falloir faire un test de tout ça. Il y avait le Mario Bros 3, très très culte de la NES. Le Mario Bros 2. Et jamais 203, il y avait le 1 avec Duck Hunt. Donc c'est pour ça qu'il y avait le zapper avec le Mario Bros 1 et Duck Hunt. Et le dernier jeu qui est World Cup. Donc un jeu de foot sur la NES, voilà. Donc franchement, je suis hyper content d'avoir chopé un lot NES en vide-grenier, franchement. Là au moins, ça vaut le coup de se lever de bonheur, regardez. Avec 5 jeux, hop, et le petit zapper, franchement, c'est génial. Donc, la personne en voulait 60 euros. J'ai réussi à négocier pour 40 euros. Donc franchement, 40 euros, c'est génial. Même 60, hein, s'il n'aurait pas voulu négocier, je l'aurais pris quand même à 60. Hein, parce que depuis le temps que j'en voulais une, 5 jeux, le zapper, parfait, 40 balles. C'est génial. Donc voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like si vous avez aimé, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense faire une vidéo spéciale pour la NES, parce que bah, dans le vide-grenier, moi je l'ai déballé, j'ai vu vite fait ce qu'il y avait dedans. Donc elle est complète, il y a le polysirène. Donc du coup, si vous voulez une vidéo test et unboxing de la NES, dites-le moi en commentaire. De toute façon, je vais sûrement la faire la vidéo. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un bon 1er mai. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!